un jour, je me promenais en ville avec une amie qui vient d'un pays lointain. Il y avait beaucoup de circulation et de bruit. Tout d'un coup, mon amie s'arrête et me demande « Tu as entendu le chant du grillon ?» Un grillon, ici en pleine ville, ça m'étonne. Et en plus avec le bruit qu'il y a, je lui réponds. Mais elle s'est alors dirigée vers une plante grimpante, près d'une porte, a écarté trois feuilles et me montre le grillon. Je lui ai dit en rigolant « Alors, chez vous, vous avez vraiment de meilleures oreilles que les nôtres ?»« Je ne crois pas, » me répond-elle. « Simplement, vous écoutez d'autres sons. Regarde. » Elle sort alors de sa poche une pièce de monnaie et la laisse tomber sur le trottoir. Tout le monde autour de nous s'arrête pour voir d'où vient ce bruit. « Tu vois, » me dit-elle, « ce bruit n'est pas plus fort que le chant du grillon, mais tous l'ont entendu. Tout dépend de ce à quoi notre oreille est attentive. » Prions. La voix de Dieu ressemble-t-elle plus au bruit d'un grillon ou à celui d'une pièce de monnaie qui tombe sur le trottoir? Je ne le sais pas. Ce que je sais, c'est que nous avons besoin d'exercer nos oreilles pour l'entendre. Puisque Dieu vient nous rencontrer, nous devons préparer nos oreilles et notre cœur. Que s'apaise notre agitation pour recevoir sa paix, que s'ouvrent nos oreilles pour accueillir la présence de Dieu. Amen. Que tu sois un bébé, un enfant, une ado, un adulte, une personne âgée, que tu sois de Genève, de Suisse, d'ailleurs, que tu aies des cheveux longs, courts, blonds, bouclés, raides ou pas de cheveux du tout, que ta peau soit rose, marron ou beige, que tu aies mis ce matin une belle robe, un short, un pantalon, des leggings ou une jupe, que tu te sentes fatigué par la semaine ou en pleine forme, de bonne ou de mauvaise humeur. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Nous voulons te rappeler que Dieu t'aime infiniment. Il est toujours avec toi et ne t'abandonne jamais. Tu es son plus beau miracle et il a mis toute sa joie en toi. Amen. Alors oui, bienvenue à chacune et chacun d'entre vous dans ce temple ce matin. Bienvenue à vous, nos
fidèles paroissiennes et paroissiens, bienvenue aussi à vous qui êtes ici peut-être pour la première fois ou en visite. Soyez tout particulièrement les bienvenus dans cette maison qui est la vôtre. Bienvenue aussi toute particulière aux nouveaux catéchumènes qui vont commencer leur nouveau parcours. J'y reviendrai. Et bien sûr, aux catéchumènes qui ont récemment confirmé ou demandé le baptême et qui sont là pour les accueillir. Et puis, je me réjouis de voir aussi toutes les familles qui sont là ce matin. Il y aura, au cours du culte, une garderie et un culte de l'enfance qui est prévu pour eux. Les enfants pourront sortir après le deuxième chant avec Marie, quand j'ai vu tes mains. Alors oui, bienvenue aussi toute particulière à Isabelle Juillard, pasteur honoraire de notre Église, qui est une amie de longue date, qui vient renforcer notre équipe dans la paroisse pour cette année, à mes côtés et aussi aux côtés de Vincent, qui n'a pas tout à fait disparu et qui continue à venir célébrer des cultes régulièrement. Alors, ce matin, j'aimerais quand même saluer tout particulièrement les nouveaux catéchumènes qui commencent aujourd'hui un parcours de 2 ans. Et c'est chaque fois une aventure de commencer ce parcours. Je vais avoir un plaisir fou à l'animer avec Laurent Marchès, mon fidèle compagnon. Quel bonheur de pouvoir compter sur Laurent, pas seulement pour la qualité de ses galettes et crêpes, les anciens pourront vous le dire, mais il y aura aussi Charles de Carligny et précisément Isabelle Gire qui viendront nous épauler pour cette grande volée de catéchumènes. Il va s'en passer des choses pendant 2 ans. On va s'en poser des questions et certains, au bout peut-être, auront l'envie d'aller un peu plus loin en confirmant leur baptême ou en demandant le baptême. Mais nous n'en sommes pas encore là. N'allons pas trop vite. Il va d'abord falloir faire connaissance. Le 9 mai dernier, l'équipe qui était 2 ans avant vous et qui vous accueille ce matin a vécu à la cathédrale son culte de baptême et de confirmation. Et il y a 2 ans, je pense, et je peux même vous le garantir, beaucoup parmi eux se demandaient bien ce qu'ils allaient faire au catéchisme. Pas du tout certain que c'était un truc pour eux. C'est vrai qu'il y a bien d'autres moyens d'occuper son temps. Alors, j'ai demandé à quelques-uns d'entre eux de venir vous dire quelques mots d'encouragement ou de partager un peu de leur expérience et de leur découverte spirituelle. J'invite donc Diane, Alexia, Tristan et Mila à venir partager leur expérience. Alors, peut-être que vous vous réjouissez à l'idée de commencer les cours de catéchisme, ou peut-être que vous êtes stressé ou vous appréhendez, vous avez peut-être peur. Moi, justement, j'avais plein de préjugés quand j'ai commencé les cours il y a 2 ans. J'étais vraiment pas sûre que c'était fait pour moi, comme Emmanuel l'a dit. Mais j'y suis allée au début. Et en fait, il ne faut vraiment pas voir ça comme un cours, mais comme il l'appelle, c'est vraiment une rencontre où vous pouvez parler, poser toutes vos questions sans préjugés, enfin, sans jugement même. Et voilà. Et je pense que c'est vraiment une bonne expérience à faire puisque vous allez rencontrer plein de gens, que ce soit dans votre groupe ou bien même des gens de l'extérieur qui vont venir pour faire expliquer leur témoignage. Et voilà, vous vous ennuierez jamais. C'est différent chaque semaine. Et en plus, ça fait un peu une pause dans la semaine avec l'école. Bah, c'est un peu comme une bulle d'air le lundi soir. Voilà. Il y a 2 ans, j'étais un peu comme vous aujourd'hui. Je savais pas trop à quoi m'attendre et de quoi pouvaient être faites les rencontres tous les lundis. Mais maintenant que je parle avec la connaissance et avec les souvenirs, je peux vous assurer que vous regretterez pas d'être venu, que vous passerez des bons moments aux rencontres et que l'année prochaine, vous profiterez de 2 beaux camps dans les Cévennes et à Mazy qui, personnellement, ont beaucoup enrichi ma foi et ont conforté ma volonté de confirmer mon baptême. Donc j'espère que ce sera pareil pour vous. Et je vous souhaite donc 2 très belles années de caté ici. Alors il y a 2 ans, j'avais des doutes et des questions sur ma foi.
Et le catéchisme m'a vraiment aidé à les comprendre, enfin à essayer de les comprendre. Et j'ai fait des très belles rencontres. Le catéchisme m'a permis de développer ma relation avec Dieu et m'a aussi, m'a fait, enfin c'était des cours assez, des rencontres assez plaisantes. On s'amusait et c'était pas forcément que de la lecture biblique comme je pensais qu'on allait le faire au début. On passait pas notre temps à étudier la Bible. Donc si vous vous posez des questions sur votre foi ou si vous cherchez simplement un lieu, vous pouvez poser vos questions. Je vous encourage à aller faire ces rencontres de catéchisme. À notre âge, on a tendance à prendre peu de temps pour vraiment réfléchir à toutes ces questions profondes et spirituelles sur la vie. Et on entend parler de la religion à travers l'entourage, les réseaux, les journaux, mais sans plus. Et moi, étant baptisée petite, je me suis quand même dit que c'était bizarre que je sois affiliée à une religion que je ne comprenais pas du tout. Donc au caté, on a vraiment beaucoup appris sur ça et sur pourquoi on était baptisée et sur ce que ça voulait vraiment dire, cette religion. Mais ce qui a surtout surpassé l'apprentissage, je pense que c'était les rencontres qu'on a pu faire. Elles étaient toutes hyper uniques et enrichissantes. Mais on a aussi eu beaucoup de discussions en fait, hyper variées et pas du tout centrées sur un seul point. Et puis, ce qui restera le plus marquant, je pense que c'était les camps. Ils étaient vraiment trop cool. Et puis, encore une fois, on a appris plein de trucs là-bas. Donc je pense que le caté, c'est pas un cours, mais c'est plutôt une rencontre. Une rencontre qu'on a avec les autres, mais surtout avec soi-même. Thank you.
C'est donc dans l'équipe de catéchumènes qui a terminé cette année qui va maintenant symboliquement remettre la Bible aux jeunes qui commencent. Cette Bible que vous allez utiliser, que vous allez feuilleter, que vous allez fatiguer pendant 2 ans. Et l'objectif, c'est de vous faire découvrir que cette Bible n'est pas un vieux livre poussiéreux qui sert à caler une armoire maman avec de vieilles histoires, mais un livre qui nous parle, qui te parle pour la vie d'aujourd'hui. Un livre vraiment étonnant, qu'il vaut la peine de découvrir. Et tout à l'heure, Coralie dira quelques mots là-dessus. Je sais que plusieurs sont excusés, ont pris la peine de s'excuser, mais je vais maintenant lire la liste de tous ces noms pour lesquels nous pouvons vraiment prier et porter dans notre prière. Une fois que j'aurai dit votre nom, ben, vous pouvez vous avancer pour venir chercher votre Bible qui vous sera remise par l'un ou l'autre des jeunes. À la fin de cette distribution, nous prendrons le cantique « Quand j'ai vu tes mains ». Et c'est durant ce cantique que les enfants pourront sortir avec certains jeunes qui s'occupent de la garderie et Marie du culte de l'enfance. Comme vous le remarquez, dans la volée précédente, il y avait beaucoup de filles et peu de garçons. Dans la volée actuelle, il y a beaucoup de garçons et peu de filles. Donc il faudra qu'on fasse des rencontres entre les deux groupes. Alors, je vais maintenant dire votre nom et puis, si vous êtes dans l'assemblée, eh bien, vous vous levez et vous venez chercher une Bible. Lino Barberis, Hippolyte Bartholin, Milan Berger, Loïc Bochu, César Charrier, Charles de Coulon, Théodore de Senarclan, Candice Duc, Edmond Facio, Tiphaine Favre, Nicolas Ferrorelli, Nounique Fourère, elle est excusée, Léon Grin est pas sûr de venir, Simon Jorneau, Esme Kinsey, Valentin Meyer, les frères Mouraviev ne sont pas là ce matin, Roman Rivoire, Arthur Chambacher, Gabriel Stelly, Amandine Stampfli, Thomas Ventura et Florian Zweifel est excusé. Voilà, encore un, encore Thomas, qui donne une Bible à Thomas. Voilà. Eh bien, nous nous levons pour chanter et nous souhaitons une bonne rencontre aux enfants. Thank you.
Avant de nous conduire dans la prière qui nous prépare à la lecture de la Bible, j'ai demandé à Coralie de dire quelques mots du parcours qu'elle est en train de faire, puisqu'il y a une année et demie à peu près, Coralie ne connaissait pas grand-chose de la Bible, mais qu'elle l'a découverte et, dans un petit groupe d'étudiantes, la lit régulièrement maintenant ensemble. Alors j'invite non seulement Coralie à venir, mais entourée de ses deux compères Célestine et Sarah, mais aussi de Kim et Sophie qui vont compléter les lectures. Donc bonjour à tous déjà, bienvenue au nouveau. Je vais dire quelques mots sur ma découverte de la Bible et qu'est-ce que ça m'a apporté. Donc il faut savoir que la Bible, je l'ai découverte il y a seulement un an et demi, et ça m'a énormément changé et appris beaucoup de choses. Et à l'heure d'aujourd'hui, je me vois vraiment plus sain. La lecture de la Bible m'a permis vraiment d'avoir une vision différente de la vie et d'être moi-même et d'être moins peut-être dur avec moi-même et les personnes qui m'entourent. De plus, la Bible m'a apporté une sorte de réconfort lors de moments difficiles que j'ai pu traverser. Et on trouve tous un texte dans la Bible qui nous correspond et dans lequel on peut se retrouver. Et ça fait énormément de bien et ça nous permet d'aller mieux et d'aller de l'avant. Donc certes, certaines lectures vont être un peu complexes pour vous, mais grâce à l'aide de Emmanuel, Laurent et plein d'autres personnes, vous allez pouvoir trouver un chemin et trouver la voie qui vous conviendra. Donc je vous souhaite que du bonheur pour ces 2 ans à venir. Voilà. Prions. Le royaume de Dieu, la vie avec Dieu, n'est pas une haute montagne qu'il nous faut escalader. Ce n'est pas une soudaine explosion qui renverse tout. C'est une petite graine plantée dans l'humus de notre terre. La semence est en nous. Laissons-la germer, grandir, s'épanouir. Il est cette parole qui me dit qu'au-delà de mes révoltes, de mes refus, de mes chutes, des doutes et des questions, je suis aimée de Dieu. Puisse cette parole de vie s'enraciner en nous, dans nos jours et dans nos nuits. Amen. Nous lisons 3 extraits de l'Évangile selon Matthieu, le premier au chapitre 18. À cette heure-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Appelant un enfant, il le plaça au milieu d'eux et dit « En vérité, je vous le déclare, si vous ne changez et vous ne devenez comme les enfants, non, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Celui-là donc qui se fera petit comme cet enfant, voilà le plus grand dans le royaume des cieux. Qui accueille en mon nom un enfant comme celui-là, m'accueille moi-même. Nous poursuivons avec ce verset du chapitre 11. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux intelligents et de ne l'avoir révélé qu'aux tout petits. » Enfin, ce passage du sermon sur la montagne au chapitre 7. Ainsi, tout homme qui entend les paroles que je viens de dire et les met en pratique peut être comparé à un homme avisé qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé. Ils se sont précipités contre cette maison et elle ne s'est pas écroulée, car ses fondations étaient sur le roc. Et tout homme qui entend les paroles que je viens de dire et ne les met pas en pratique peut être comparé à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé. Ils sont venus battre cette maison. Elle s'est écroulée et grande fut sa ruine. Thank you.
Alors vous savez, il y a un truc qui ne manque pas. Quand je suis invité à une soirée et qu'on est placé à des tables avec des gens qu'on ne connaît pas et qu'on se présente les uns les autres et vous faites quoi dans la vie, etc. Et quand je dis que je suis pasteur, ça jette un froid. Ils se disent, on n'est pas tombé sur la bonne table. On va s'ennuyer grave. La même chose quand j'étais étudiant en théologie et puis que je disais, j'étudie la théologie. Puis la quoi ? Théologie ? Puis c'est sérieux ça, c'est à l'Uni ça. Et oui, il y en a des préjugés qui ont la vie dure sur la Bible, sur la foi, sur les pasteurs. Ça c'est pas très grave. Pour certains, c'est un peu comme s'il y avait deux mondes. Le monde sérieux, le monde de la science, de la finance, de la politique, et puis de l'autre côté, le monde un peu inventé, le monde pour se rassurer, pour se bercer d'illusions en se racontant des vieilles histoires. Parce qu'on va quand même pas nous faire croire que le monde a été créé en 6 jours, et puis qu'on peut marcher sur l'eau. Alors, c'est un peu comme si on ne pouvait pas être quelqu'un de vraiment sérieux, quelqu'un d'intelligent et de croyant. Alors il faut qu'on se pose la question. Nous tous qui sommes venus ici ce matin et tous ces jeunes notamment qui ont confirmé et qui ont témoigné, sommes-nous tous stupides, un peu bonnets, un peu naïfs pour croire à ces fables? Un peu comme l'enfant qui croit au Père Noël ou à la petite souris qui vient échanger les dents de lait contre un cadeau. Car maintenant que les enfants sont sortis, je peux vous le dire, la petite souris n'existe pas. Alors, Jésus et toutes les histoires de la Bible, est-ce comme la petite souris... Ah ouais, j'ai commis un impair là. Est-ce les histoires de Jésus et de la Bible, est-ce comme la petite souris? Charmant, mais franchement, pas sérieux. Alors c'est vrai qu'il y a certaines manières de vivre la religion qui ne font vraiment pas envie. Et je suis le premier à le reconnaître. Il n'y a qu'à voir autour de nous tous ces fanatiques qui veulent nous imposer leur manière de vivre, de penser au nom de leur Dieu, qui nous oblige à croire ce qu'ils croient, et souvent de manière violente et intransigeante, ou tous ceux qui veulent nous faire peur, parce qu'il faudrait croire juste, filer droit, faire plaisir à Dieu, pour avoir ses faveurs, sinon nous risquerions en retour la colère de Dieu. Si la foi c'est ça, si la foi ça consiste à renoncer à son intelligence, à sa liberté, ou croire à un père fouettard, un dieu juge, alors je vous le dis, mais fuyez. Fuyez tout de suite, le plus vite et le plus loin possible. Le pari que je fais ce matin, c'est de vous amener à découvrir un dieu bien différent que tout ce que vous pouvez imaginer. Un dieu surprenant, un dieu qui même fait tout à l'envers. Moi, ce Dieu-là, je ne l'ai jamais rencontré comme je vous rencontre. Je ne l'ai jamais entendu comme je peux vous entendre. Mais à travers les rencontres, à travers la prière, à travers la lecture de la Bible, je découvre chaque jour davantage combien il est un Dieu étonnant, un Dieu d'amour et d'amour seulement. Un Dieu qu'il vaut la peine de chercher et d'écouter, car il peut, aujourd'hui encore, changer des vies. Parce qu'en fait, il y a deux manières d'aborder la foi. Il y a l'entonnoir ou la porte ouverte. L'entonnoir, c'est dans le fond vouloir nous obliger à vivre, à croire d'une seule manière, parce qu'il n'y aurait qu'une manière de penser. Et cela réduit terriblement notre liberté. Ou alors, il y a la foi qui est cette porte qu'on entr'ouvre et qui nous fait apparaître des horizons nouveaux. Le Dieu de la Bible, en aucun cas, ne veut que je renonce à mon intelligence, à mon esprit critique, et encore moins à ma liberté.
Bien au contraire. C'est quand même étonnant de penser qu'un des premiers livres que tout bon dictateur qui se respecte interdit, c'est la Bible. Car la Bible reste d'une actualité et d'une modernité déconcertantes, car elle parle d'amour et de justice, de liberté et de respect, de valeur de chaque personne. Un évangile qui ne cesse de déranger les plus puissants, mais aussi, avouons-le, de nous déranger. Alors, non, le monde n'a pas été fait en 6 jours, comme l'écrit le premier chapitre de la Genèse. Et pourtant, ce même texte, vous le découvrirez très rapidement, si on le lit avec un esprit ouvert, reste extrêmement précieux et moderne, terriblement moderne, dans la manière de parler de la création, d'écologie, de la place de l'être humain. C'est absolument saisissant. Une autre erreur serait, me semble-t-il, de vouloir faire de la foi une sorte de marchandage avec Dieu. Comme si en croyant ce que on nous dit de croire, en lisant fidèlement ma Bible, en étant gentil, alors en retour, Dieu me promettrait une vie sans souci. Parce que ça semblerait quand même effectivement plus juste que Dieu aime davantage ceux qui sont gentils, qui sont croyants, plutôt que les violents et les méchants. Mais ce n'est pas si simple que ça. Et ça ne marche pas comme ça. Il n'y a pas de deal à faire avec Dieu. Et du reste, personne, pas même le pasteur que je suis, ne peut vraiment dire ce que Dieu pense. Dieu, nous dit l'Évangile, est un Dieu qui nous aime inconditionnellement. Tout commence par là et tout le reste, finalement, ce n'est que du détail. La seule question que je dois me poser, c'est celle de savoir si je suis prêt à me laisser aimer, à me laisser rencontrer, à me laisser toucher, comme le dit bien ce verbe français. La foi, comme le dit le théologien Tillich, une phrase que je vais vous répéter souvent et que les précédents ont entendu souvent, c'est, dit-il, accepter d'être accepté. La foi, ce n'est donc pas un marchandage avec Dieu à coup de prière ou de bonne manière de vivre ou de croire, c'est simplement se laisser rencontrer. Alors mon travail avec vous, ça va essentiellement consister à essayer de vous faire envie, à attiser votre curiosité, à faire travailler autant votre cœur et votre intelligence, votre esprit critique, pour préparer le terrain d'une probable rencontre. Croire, ce n'est donc pas succomber à la simplicité ou à la naïveté. Demandez seulement à tous ces chrétiens qui, de par le monde, sont persécutés au nom de leur foi, si la foi simplifie la vie. Croire, ce n'est donc pas entrer dans le monde des bisounours ou de la petite souris. C'est au contraire un pari audacieux, où il faut faire appel à la fois à l'intelligence, à la curiosité, à l'humilité et à la confiance. Croire, ce n'est pas une démarche compliquée, faite de textes savants et réservée à quelques initiés. Mais ce n'est certainement pas non plus une démarche simpliste. C'est à certains égards assez compliqué, et en même temps tout simple. Suis-je prêt à me laisser aimer ? Croire, ce n'est donc jamais fuir le monde pour vivre dans une réalité parallèle, vivre sur une île déserte, loin des soucis du monde. Jésus, en venant vivre sa vie dans notre réalité terrestre et mondaine, en mouillant sa chemise pour notre humanité, a montré combien s'intéresse à notre monde, combien il se veut attentif et solidaire de notre réalité. Non pas un Dieu au ciel qu'il faudrait essayer de rejoindre en grimpant sur une échelle, l'échelle de la foi, en nous élevant au-dessus de la réalité mondaine. Non, on risquerait de se croiser dans l'ascenseur. Non pas un Dieu au ciel, mais un Dieu avec nous, bien plus proche de nous que nous ne l'imaginons. Un Dieu toujours et encore
qui veut me rejoindre, pour donner à ma vie cette solidité qui me permettra d'affronter toutes les peines et toutes les joies. Le Seigneur a dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je prendrai le repas avec lui et lui avec moi. Toute la question est là. Sommes-nous prêts à l'écouter? Sommes-nous prêts à lui ouvrir notre porte pour une aventure nouvelle qui nous amène souvent bien plus loin qu'on ne l'avait pensé au départ, comme l'a dit Diane et d'autres? Ils sont nombreux, effectivement, ceux et celles de la volée précédente, à avoir fait cette expérience d'être emmenés plus loin que ce qu'ils n'avaient pensé au départ. Et c'est ce que je vous souhaite. Vous laissez toucher par cette délicate présence de Dieu. Cela peut donner à notre vie une saveur toute nouvelle. Amen. Prions. Seigneur, Seigneur, malgré toute ma volonté, jamais ma vie ne pourrait être à la hauteur de ce qu'elle pourrait être. Et pourtant, toujours et encore, tu viens à moi, tu m'acceptes tel que je suis, avec ma force, ma faiblesse, ma foi et mes questions. Ton amour et ton pardon me donnent force et courage en Jésus. Ton fils, puisque tu t'es fait proche de nous. Tu t'es fait proche de nous. Amen. Il a tout partagé de notre humanité jusqu'à l'abandon et la mort pour nous montrer toute la force de ton amour. Pas un lieu sur cette terre n'échappe à ton amour. Personne n'est oublié. Un amour qui appelle à la vie et nous libère de tout ce qui nous entrave. C'est pourquoi, une nouvelle fois, nous voulons te dire merci pour ton amour et ta présence révélée à travers ce repas que nous nous apprêtons à partager. Amen. Nous lisons dans l'Évangile comment Jésus a institué ce repas, je l'appelle un mémorial,
ce n'est pas un souvenir, un vieux souvenir, c'est aujourd'hui, ça se passe aujourd'hui pour nous. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit. Il le donna à ses disciples en disant, « Prenez, mangez. Ceci est mon corps donné pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » De même, après le repas, Jésus prit la coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous. Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance versé pour la multitude, pour le pardon des péchés. Faites cela en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Amen. » Je vous invite à la prière. Seigneur, alors que pour beaucoup d'entre nous, la vie a retrouvé son rythme habituel après la pause estivale, nous te le demandons, aide-nous à ne pas nous noyer dans l'activisme, à ne pas sombrer dans le stress des choses à faire. Donne en revanche à chacune et chacun d'entre nous la joie dans cette nouvelle année d'apprendre et de découvrir toujours mieux la richesse de la vie que tu nous donnes et la valeur de celles et ceux que tu places sur notre chemin. C'est pourquoi ce matin, Seigneur, nous voulons te prier tout particulièrement pour ces jeunes qui viennent à ta rencontre. Ouvre leurs yeux, trop habitués à regarder dans la même direction, pour qu'ils repèrent au fil des jours tous les buissons ardents que tu allumes dans leur vie pour les guider. Oui, Seigneur, puissent-ils te reconnaître comme le Dieu vivant au cœur de nos villes et de leur vie, non pas comme le Dieu des histoires anciennes, mais comme le Dieu de notre histoire présente. Aide-les, par ton pardon et ta paix, à découvrir que tu es le Dieu des choses impossibles qui se réalisent à travers le possible de leur vie. Aide-les à croire que tu crois en eux et que tu agis non pas seulement pour eux, mais également avec eux. Pour cela, nous te le demandons. Donne-leur de t'accueillir, de t'attendre, de te chercher, de te comprendre, de te prier et peut-être t'entendre. Et pour nous, Seigneur, accompagnants du caté, communauté que nous formons ce matin, s'il le faut, dérange-nous pour que nous mettions davantage de foi, de confiance dans nos choix, nos agissements, nos paroles, nos silences, nos regards, nos sourires, pour devenir toujours mieux les témoins de ta présence au-devant d'eux. Amen. Thank you.
Voilà, nous allons arriver au terme de notre célébration. Il y a évidemment quelques annonces. J'attendais aussi le retour des enfants qui devraient revenir, et avec Marie qui a aussi des annonces à faire. Alors, je crois qu'elle a été prévenue, donc elle devrait arriver. Je vais commencer par les autres annonces, du coup, pour vous dire évidemment que toutes les activités de la paroisse reprennent maintenant que la rentrée a pris son rythme. Et évidemment, il y en a pour tous les âges. Ça va de l'éveil à la foi, dont Marie vous parlera, différentes activités pour les enfants, des séminaires pour les adultes. Il y a beaucoup de rencontres, même pour les parents, nouvellement avec Marie. Donc, si vous ne recevez pas les informations de la paroisse, il y a la possibilité déjà de les prendre à la sortie, la feuille du mois, mais surtout aussi de consulter notre site qui est tenu à jour, et puis de demander de recevoir directement ces infos. Il y a une petite feuille aussi que je peux vous tendre à la sortie qui vous permet de laisser vos coordonnées ou faites-vous connaître auprès de nos deux conseillers d'accueil ce matin. Tout à l'heure, surtout profitez de l'après-culte qui a été préparé par Octavio, merci à lui, pour prolonger ce moment de célébration par un moment de convivialité, et même, il y a encore, pour ceux qui le souhaitent, un repas après l'après-culte. Donc il y a un après-culte et un après-après-culte. C'est bien. Et puis, maintenant, je donne la parole à Marie, notre responsable de l'enfance, qui va parler des différents programmes pour les plus jeunes. Alors, du coup, cette année, on a une grosse offre pour les familles, les enfants. Donc déjà, l'éveil à la foi qui continue, donc une fois par mois le mercredi. Cette année, on va parler des émotions dans la Bible, grâce aux différentes histoires. On a du catéchisme pour les 3P8P le vendredi à midi, un vendredi sur deux. Et puis, on a bien sûr les cultes invitations, donc à chaque fois où il y aura une garderie, le culte de l'enfance. Aujourd'hui, on a fait des maracas pour nous rappeler la tempête qui a emporté la maison sur le sable. Et puis, la grande nouveauté aussi de cette année, c'est les soirées de parents. Donc, c'est 5 fois dans l'année, le mardi soir à 20h. Et c'est des soirées qui sont imaginées pour échanger autour de la parentalité, en fait, de ces défis, avec un apport spirituel. La première rencontre, pas que je vous dise de bêtises, c'est le 24 septembre. Et on parlera de l'histoire du fils prodigue et des attentes qu'on a envers nos enfants. Pourquoi on fait des enfants? Qu'est-ce qu'on attend d'eux, en fait? Est-ce qu'on peut tout leur pardonner ou pas? Donc, c'est vraiment des soirées qui sont ouvertes à tous les parents, que vous soyez croyants ou pas, que vous soyez croyants et que vos conjoints, conjointes ne le soient pas. C'est vraiment ouvert à tous. Et si vous avez besoin de babysitting pour les gens qui ont des petits-enfants, n'hésitez pas à venir vers nous. On a des possibilités parmi les jeunes de la paroisse. Et je serai à la sortie avec les flyers. Il y a aussi plein d'activités au niveau de la région. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts. Merci. Et une nouveauté aussi, pour les groupes 18-25 ans, nous aurons deux offres en plus des soirées intergénérationnelles des retraites. Il y a évidemment le groupe de lecture biblique qui continue avec notamment Sarah, Coralie, Célestine que vous avez vu ce matin. Lecture, ça c'est vraiment, on découvre la Bible, on lit les grands classiques et on les travaille. C'est vraiment un groupe pour les étudiants, 18-25 ans. Mais il y aura en parallèle, le vendredi soir, un groupe géré par les jeunes eux-mêmes sur des questions de fond et de foi. Et c'est Vadim et Manon, mais qui ne sont pas là ce matin, ils travaillent, qui gèrent ce groupe. Donc là, si vous avez aussi des jeunes de 18-25 qui sont intéressés, n'hésitez pas à me demander. Vous avez aussi les coordonnées de Vadim et de Manon qui organisent cela. Voilà, j'en ai terminé pour les annonces. Vous dire qu'il y a le culte ce soir à Champel, c'est Charles qui nous fait le plaisir de le présider. La semaine prochaine, c'est Isabelle qui conduira le culte aux eaux vives. Voilà. Et puis, comme notre vie n'est possible aussi qu'avec quelques moyens financiers et que notre paroisse ne vit que de ses dons, c'est lors du dernier cantique que nous allons procéder à l'offrande. Mais avant ce cantique, nous entendons encore un dernier texte d'envoi. C'est Diane et Alexia qui nous conduisent dans cette prière. L'enfant, dans le ventre de sa mère, bien avant sa naissance, mène déjà sa petite vie. Bouge, entend et réagit. Accordons-lui encore ce qu'en réalité il n'a pas.
Imaginons-le capable de réfléchir et de poser des questions. Eh bien, cet enfant, dans le ventre de sa mère, s'il demandait « Est-ce que j'ai une mère ? Et si j'en ai une, est-ce que je peux la voir ?» On serait obligé de lui répondre « Tu as une mère, mais impossible de te la montrer, c'est elle qui te porte. » Nous sommes un peu dans la même situation, étant dans le monde, quand nous demandons « Y a-t-il un Dieu ?» et « S'il y en a un, est-ce que je peux le voir ?» Si grand qu'on imagine le monde ne contient pas Dieu, c'est Dieu qui le contient, qui le porte comme une mère porte son enfant. Un Dieu qui nous accompagne tous les jours, que nous le reconnaissons ou non. Un Dieu qui nous aime d'un amour infini, qu'on le veuille ou non, qu'on le croit ou non. Ce Dieu-là est présent et c'est lui qui nous accompagne. Amen. Que le Seigneur fasse rayonner sur toi son regard et t'accorde sa grâce. Que le Seigneur porte sur toi son regard et te donne la paix. Amen. Je vous invite à reprendre place pour entendre le dernier morceau de musique. On se retrouve à l'après-culte et pour les catéchumènes qui commencent. Rendez-vous demain, 18h.